1 Jean 1, verset 7. Mais si nous sommes dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pour illustrer ce verset, une petite histoire qui m'est arrivée un jour avec mon chien, Damoclès. Nous sommes descendus un jour dans la cave. Et voilà que mon chien, ayant une envie pressante, s'est soulagé dans la cave. Je n'avais pas le temps de le corriger à ce moment-là. J'ai pris ce que j'avais à prendre, j'ai pris mon chien et on est parti. Quelques semaines plus tard, nous descendons dans la cave, à nouveau, lui et moi. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir mon chien faire un pipi à l'endroit où il avait fait quelques semaines auparavant. Mais cette fois, de peur. Si nous ne sommes pas dans la lumière, eh bien, ça génère de la peur à cause de notre péché. Mon chien a eu peur parce qu'il n'avait pas été corrigé. Je continue à vivre dans la peur tant que le Seigneur ne me met pas à nouveau dans la lumière, ne met pas ma vie dans la lumière. Et de cette façon, lorsque je suis dans la lumière, je peux me rapprocher de lui. Lorsque je ne suis pas dans la lumière, eh bien, ça se passe exactement comme mon chien l'a manifesté. Il s'est éloigné de moi. Il m'a fui à ce moment-là. Alors je l'ai pris, je l'ai corrigé, et après cela, nous sommes passés je ne sais combien de fois au même endroit. Il n'y a plus de problème. Si nous sommes dans la lumière, comme lui est dans la lumière, alors nous sommes en communion avec lui. C'est ce que Dieu souhaite le plus. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous avons un privilège extraordinaire de pouvoir être purifiés par le Seigneur et de vivre dans la lumière. Allons-y.